Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo gameplay commentée. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur The Bus avec la dernière version bêta. Et on va voir, on va rouler un petit peu ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite! Eh bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay commentée sur The Bus. Et oui, le fameux jeu de bus, je sais que vous avez été nombreux à me demander refaire une vidéo dessus. Eh bien écoutez, voilà, je vous refais une petite vidéo dessus. Ah oui, ah mince, là, qu'est-ce que je fais moi? Alors attendez, parce que je me suis planté. Là, ça bouchonne du feu de Dieu, je sais pas, comment on fait pour zoomer, je sais même plus. Je crois que c'est ça. Ah voilà, et là regardez, ça bouchonne de dingue quoi, on dirait, putain j'avais là, je croyais que c'était des prostituées au début ici, mais non en fait c'est pas ça. Bon bref, donc là on va faire une petite ligne tranquillou, et puis on va voir, voilà, on va rouler un petit peu sur ce bus, et puis, enfin sur cette ligne, et puis voilà. Alors donc pour le coup, oui il faut mettre le contact, donc je vais mettre le contact, voilà, tranquillou. Ça, y a pas de problème. Donc là, je suis en mode épique, hein, carrément. J'ai désactivé les rétroviseurs comme d'habitude, parce que c'est vrai que ça fait bugger, ça fait pas mal friser. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà. Alors, démarrer l'ordinateur. Ok. Donc, je démarre l'ordinateur. 43-91. Je valide. Ok, et là, pour le coup, c'est bon. Mes clients vont rentrer, je pense. Voilà, ils vont rentrer. Bonjour, monsieur. Ok, bon, bah, lui, direct, hein, il m'envoie la... Ouah, putain, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Alors, il lui faut un ticket 24 heures AB. Donc, AB, ticket 24 heures, 8 euros, et payé. Prix 8,80 €. D'accord, ah, attendez, parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Oui, ça, donc c'est ça en fait. Ok, donc du coup, hop, c'est bon. J'ai juste à prendre la monnaie. Voilà, hop. Elle, c'est pareil, elle va me donner ce qu'il faut. Donc du coup, 3 euros. Donc elle veut AB. Alors AB, ok. À l'unité, ok. Donc à l'unité. Le titre, il a 3 euros, donc c'est parfait. Ok, moi je récupère les 3 euros. Merci madame, vous pouvez aller vous asseoir. Ok, très bien. Donc du coup, on va fermer la porte qui est ici, voilà. Et puis, on va démarrer. On va appuyer sur I. Voilà, donc du coup, j'ai démarré. C'est très bien. Pour le coup, on devait partir à départ à 11h48. Il est 11h50, on a déjà 2 minutes de retard. Donc pour le coup, je vais... Hop, voilà, me mettre en drive, je vais virer donc hop le frein de parc, et puis on va y aller gentiment. Voilà, on va se remettre. Donc, alors, j'espère qu'elle va se remettre toute seule la caméra. Théoriquement, oui. Bon, voilà. Et ben, on y va. Donc là, j'ai encore des petits freezes. Hein. C'est vrai que c'est chiant quand t'arrives en ville. T'as souvent des petits freezes. C'est vrai que c'est assez pénible. Mais bon, voilà, on va faire avec. Là, on a encore avec donc le. Le retour de force assez pénible. C'est quoi ces trucs roses en face? Je sais pas ce que c'est, ces trucs roses bizarres. On va aller voir ça ensemble. Donc là, j'ai des frises encore, c'est chiant. Hein. La dernière fois, j'avais pas tous ces frises là. Avec tous les trucs qui chargent en fond, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc là, hop, ça va aller. C'est quoi qui parle derrière? Hop là! Allez! Donc, ok. Mettre le frein de parc, il y en a un qui voulait déjà descendre. Putain, mais quelle bande de feignasses, on n'aura pas pu y aller à pied. Bonjour monsieur, enfin messieurs, dames, bonjour. Ah, des jumelles. Ok. Ah, mais ils ont rajouté les sons et tout, des téléphones qui sonnent et tout. Putain, c'est vachement propre. Hop. Du coup, hop, on peut y aller. Ok. Tac. Allez, c'est parti. Hop, allez. On est parti. Allez, go. Donc, oh putain, il fait quoi lui? Ah la vache! Purée! Donc, oui, on entend même les mecs tousser, les clients tousser, et c'est propre quand même. Il y a pas mal de nouveaux sons, etc. Donc, déjà ça à première vue. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est pénible. J'ai encore ces frises assez pénibles, ces casse-couilles. Dommage, je vois pas les voitures sur les côtés. Hop. Ouais. On va faire avec, hein. Mais voilà. Alors, donc du coup, peut-être la distance d'affichage.
Je vais regarder très très rapidement dans les graphismes. Alors, les graphismes. Ouais, je veux bien. C'est où les graphismes? Passenger comment? Ah ouais, bien. Véhicule, force feedback, on s'en tape. Density, je vais mettre un peu moins. Les clients, ouais, je vais mettre 85%, 89%, c'est bien. Par contre, j'ai pas caméra générale, localisation, force feedback. Il y a voilà, c'est là. Hop, la vie. Donc, ok. Donc, résolution. Donc là, ça, j'y touche pas. Il n'y a pas de souci. Screen mode plein écran, frame limite 144, profondeur de champ. On va mettre un peu moins. On va mettre 65. Parce qu'en fait, faut le régler le jeu, hein, vraiment, parce que c'est vrai que c'est assez pénible. Flou cinétique, color blind, quality pré-réglage, autodétection, échelle de résolution. Donc là, je suis en épique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Light distance, je ne sais pas si c'est ça. Je vais mettre moyen. Qualité rétroviseur, donc là, forcément. Ok, ça, je vais mettre. Ouais, je vais laisser en épique. Qualité matériaux, ombre, post-traitement, view distance, à mon avis. Je vais le mettre là, anti-aliasing, on va le mettre comme ça, et ça sera très bien, peut-être que ça va changer la donne. Voilà, voilà, donc retour, et puis on est reparti. Oula. Ok, donc c'est reparti, bon visiblement ça a l'air de un peu moins laguer, légèrement moins, bon c'est pas non plus ouf. Mais bon, voilà. Donc là on y va, hein, du coup, prochain arrêt... arrivé à 52, donc là effectivement on est en retard. Ah ouais, non, ça lag quand même un peu. Alors, regardez, même les matériaux au bout, regardez, ça charge, ça a du mal à charger. Il y a encore pas mal de petits défauts encore, hein, sur cette bêta. Même les véhicules, regardez, il y a pas mal de petits trucs qui sont encore. Enfin, je préférais tout à l'heure au final. Hein, je pense que je vais rester comme c'était tout à l'heure. Je vais mettre. Je vais juste mettre détection automatique, hein, et puis je vais juste dégager les rétros. Autodétection. Voilà. Hop, le temps qu'il le fasse, parce que là il est resté bloqué, voilà. Et rétroviseur, du coup je vais essayer de mettre moyen, on va voir, peut-être que voilà, appliquer, ok, voilà, tac. Je suis désolé, hein, pour ce contre-temps, mais j'essaye de régler un maximum le jeu, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ouh, c'est rouge, tac 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 tac, hop là, du coup je vois plus le feu, voilà, là je le vois, ok. Donc là, on a le prochain arrêt qui est là. Ben, ça, je veux pas jouer avec la souris. Voilà. Je vais juste zoomer. Regardez, franchement, il y a du peuple. Hein. Voiture et tout. Voilà, c'est bien. Par contre, regardez les textures. Vous voyez les textures en fond? En fait, c'est ça. Ça doit. En fait, ça gâche un peu tout, quoi. Ça gâche un peu tout. C'est dommage. On dirait un vieux truc tout bizarre. Ok, donc là, on y va. Ouais. C'est bizarre, là, je suis. Donc là, je m'arrête à l'arrêt, ok. Tac. Hop là. Donc, frein de parc, j'ouvre tout. Je sais même pas si quelqu'un qui a demandé l'arrêt derrière, je suis pas sûr. Non, il y a personne qui a demandé l'arrêt, je crois. Ok, bonjour mesdames, bonjour monsieur, bonjour madame, je crois que c'était madame. Enfin bref, hop. Allez, on ferme tout, et puis on se casse. Allez, on est reparti. Oui, hop. Parce que je sais pas où il est le frein d'arrêt là-dessus. Allez, on y va. Du coup, on va aller. Ah, mais c'est bizarre. Elles sont bizarres leurs routes. Attends, faut aller où là? Tout droit? C'est bizarre, hein? Bizarre leur. Enfin, je sais pas. Comment c'est foutu? Ah, ouais, là, les frises. Hein. Ça frise pas mal, hein. En fait, depuis la dernière version, là, il y a pas mal de frises. Hein. C'est dommage. Beaucoup de problèmes de performance. Bus, ok. On va rester sur cette voie. Allez, hop, prochain arrêt qui est ici. On va se caler là. Ouais, regardez les. Vous avez vu les textures en fond, hein, c'est assez bizarre quand même. Comment elles apparaissent en rose comme ça, c'est assez bizarre. Personne qui a demandé l'arrêt, je crois. Bonjour, mesdames, madame. Oui, vous voulez un ticket à l'unité AB. Ok, pas de problème. Tac, j'imprime. Je te pique tes 3 euros. Merci, au revoir. Monsieur, bonjour. Lui, il veut un ticket à l'unité ABC. 3,80€. Il a la pointe, donc c'est parfait. Moi, ça me va. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Et puis voilà. Portez-vous bien, surtout. Ne foutez pas la merde derrière, sinon je vais rouler comme un zouave.
et vous allez, voilà. Donc du coup, je peux pas regarder derrière parce que mes rétros... Ah bah si, je peux, pour le coup. Bah si, parce que je les ai laissés en, en moyen. Bon, alors on y va. Du coup, allez, le petit feu. Ok, on s'arrête. Ah c'est cool, on entend les gens tousser en fait, l'ambiance, et c'est propre, franchement, je trouve ça, je trouve que c'est cool. Ça change un petit peu. Après, dommage qu'il y ait encore ces frises, hein. C'est pénible. C'est pénible. Mais bon, voilà, le jeu tourne très bien, hein, sinon, hein, mais après, les frises, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant. Et t'entends les gens parler et tout derrière, énorme. Énorme. C'est énorme. Ah, ça y est, puis on a combien de retard, là? Ah ouais, on va arriver à 56. Ah ouais, le prochain arrêt là-bas, en fait, on n'est pas trop en retard. On n'est pas si en retard que ça. Donc, c'est compliqué. Donc, le force feedback, là, il est violent. Hop. Allez, on va se mettre à hacker. Tac. Hop là. Allez, on ouvre tout. Je crois qu'il y a une personne qui a demandé l'arrêt derrière. Voilà. Non, même pas, je croyais. Monsieur, bonjour. Attendez, je ferme les portes à l'arrière parce qu'il n'y a personne qui descend. Donc, vous voulez 3 euros. Prix 3 euros. Ticket à l'unité AB. AB. Donc, ticket à l'unité. Je vous dois 2 balles. Voilà. Merci. Je l'imprime. Et voilà. Merci. Madame, bonjour. Alors, à l'unité ABC. Ticket à l'unité ABC. Donc, à l'unité, on est d'accord. 3 euros. 80 1 euro 1 euro 20, voilà, merci. Alors elle, qu'est-ce qu'elle veut? Pareil, ABC à l'unité, voilà, c'est ça, hein. Ok, donc 1 euro 20, alors il est où le 20 centimes? J'ai peur de me planter, et 1 euro, voilà, hop, voilà. Ok, tac, on va fermer et puis on y retourne. C'est reparti, hop, allez go, on y va, voilà. J'adore l'ambiance là. En fait, quand t'as le casque, t'entends en fait les clients parler derrière. C'est énorme. En fait, c'est vivant derrière. C'est, franchement, je trouve ça cool. Bon, attends, je vais laisser passer le sprinter. De toute façon, je suis pas si à la bourre que ça. Ok. Allez, vas-y, tu peux y aller. Par contre, lui, je sais pas pourquoi, mais je le. Mince, je peux pas tourner. Ah, lui, je m'en doutais qu'il allait me serrer. Quelle enflure. Eh, tu vas où toi? Toi, tu me laisses passer. Voilà. Et les téléphones des clients sonnaient et tout, c'est énorme. Alors, la marque, c'est une Citroën. Citroën. Attends, putain, à chaque fois, je me plante. Alors, Citroën. Donc, ils ont pas les licences. C'est quoi ce délire? Ça bouge tout seul. Ah, mais oui, c'est normal. Mais. Ah! À chaque fois, je me plante avec ça. Citroën Lumper. C'est Citroën Jumper à la base. Hein. J'aime bien la plaque. TML Studio, machin. Pas mal. On est dans les bouchons, voilà. Et par contre, il n'y a pas moyen de régler les sièges, là. On serait bien mis un peu moins loin. Ça, je suis vachement prêt. Mais bon, c'est pas grave. Allez, du coup, on va tourner. C'est long, hein. C'est long. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que c'est très vivant, en fait. C'est très vivant. Et c'est un truc que j'apprécie vraiment. T'as les téléphones qui sonnent et tout. Énorme. C'est énorme. Comme en vrai, en fait. C'est exactement le même délire. En vrai, c'est exactement la même chose. Hop. Bah, il est en train de laisser passer les gens, lui. Et puis là, on va rester au feu comme des couillons, quoi. Donc, c'est, je trouve que c'est vraiment bien foutu parce que vraiment, on s'y croit, quoi. Vraiment. C'est un truc de fou. Attendez, parce que je vois pas. Lui, je vais le laisser passer. Oh la vache! Ah ouais! Quand même! Ça passe derrière. Ouais, large. Hop, putain. Et je vois rien avec le... Putain, elle veut pas... Ah, voilà. Hop. Parce que, en fait, la caméra, elle revient pas. Ok, donc... Allez, on y va. Du coup... C'est quoi qu'on entend, là? Truc bizarre. Putain, les téléphones qui sonnent, quoi. Ça, c'est tellement irrespectueux, ça. Mais c'est dommage qu'on puisse pas régler la caméra, en fait. Y a pas moyen de la régler. Attendez, je vais regarder quand même. Général, passager commands, machin, donc ça j'ai télémétrie, machin. Donc ça c'est les touches, je regarde un petit peu. Ouvrir, fermer les portes, phare, éclairage de porte, caméra cockpit, puis à la troisième personne, moniteur.
Driver the Sun. Ouais, enfin, bon, bref, c'est pas grave. On va laisser comme c'est pas grave, c'est dommage. Voilà. Regardez le bordel, quoi. Elle veut même pas passer. Elle va foutre le bordel. Ah ouais, c'est que le mec il est en train de traverser. Ça a passé au rouge. Ah voilà, l'autre c'est bon. Ça a passé au vert plutôt. Mais c'est vivant. C'est vivant, ça roule. L'AI est bien foutu, hein, je trouve. C'est un beau jeu quand même, hein, mine de rien. Je trouve beau ce jeu-là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je le trouve vraiment beau ce jeu. Il est vraiment beau. Alors. Ah! Ça, j'aurais pu le virer. Ça, je sais pas si on peut l'éteindre ce truc-là. Alors, on y va. Ah, arrêtez avec vos téléphones, putain, c'est ouf, hein. Éteignez vos téléphones, bordel. Donc, on y va. On y va. La prochaine arrêt, il est là. Je devais arriver à quelle heure? À 58, il est midi 1. Donc là, on a quand même pris un peu de retard à cause des bouchons. C'est pas bien grave. Hop là. Oh putain, tu sens tout, là, les bouches d'égout et tout, c'est incroyable. Alors, il y a quelqu'un qui voulait descendre, je crois. Je suis pas sûr. J'ai ouvert les portes quand même, on sait jamais. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Oui, il y a du monde aujourd'hui, là. Si tu regardes, toi. Allez, on va pas perdre de temps parce que bah, je suis déjà à la bourre. Ah ouais, c'est ça, en fait, que je voulais éteindre. De toute façon, c'est à cause de ça que ça bug. Donc là, il n'y a rien. Ok, allez, on s'engage, on y va. Allez, donc limite à 30, déjà lui il sort à l'arrache. Petit centre-vide là, c'est pas mal. Hein. Putain, oh l'autre comment il tousse quoi. Il est tombé, il va crever. Le centre-vide est pas mal. Eh, c'est trop classe quand même. Hein. Le jeu il est vraiment classe. Moi j'aime beaucoup. C'est juste dommage qu'il y ait ces frises à la con. Hein. Ah putain, les téléphones, je vais serrer. Après, je vais descendre du bus, je vais aller les voir les gens. Je sais même plus comment on fait pour descendre. Ok. J'aime bien regarder les gens là, machin. Ils me font rire, regardez. Putain, lui, laisse tomber, toi. Ah, il a une couille énorme, lui, c'est pas possible. Il a un problème, lui. Bref. Allez. Allez, on y go. Il va où, lui, avec son Volvo, là? Ok, bon, moi, je vais tout droit. Ça bouchonne. Ah, ouais, c'est limite à 30, machin. Ah, putain. Midi 2 et je dois arriver à midi 1. Donc ça va, au final on n'est pas si à la bourre que ça. Je m'attendais à plus que ça. Mais au final ça va. Ça freine devant. En fait, regardez, en fait c'est les textures des AI, regardez, qui chargent pas tout de suite. Regardez, vous avez vu? Ça met un peu de temps. Et c'est souvent ça qui fait bugger le jeu. Mais bon, en soi ça va. Mais là ça roule, hein. Ça roule pas mal. Hein. Je trouve ça cool en fait. Il est vraiment cool ce jeu. Alors, on va s'arrêter. On va se mettre là. Voilà. Tac, en plus, il y a quelqu'un, je crois, qui descend. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui descend. En fait, ça me met l'arrêt demandé, mais en fait, je suis pas sûr. Je vais quand même ouvrir, on sait jamais. Monsieur, madame, messieurs. Lui, il a une tête bizarre, une tête de psychopathe. C'est bon, allez, on y retourne. Parce que. C'est fou, il n'y a personne derrière, en fait, le pilote il est en train d'attendre, donc c'est parfait. Allez, hop, allez, on y va. Du coup, est-ce que ça passe là? On va quand même attendre un chouille. Faudrait que je reparamètre mon volant. Théoriquement, ça devrait passer. Ouais, c'est bon. De toute façon, je suis en 12 mètres, hein, je suis pas en 18 mètres. Donc, ça peut que passer. Allez, on y va. Du coup, on poursuit notre périple dans cette ville bondée de monde. Il y a du monde, hein. C'est hyper vivant et c'est ça qui est agréable en fait. Alors, tac, on va se mettre là. Les arrêts sont vachement proches. Attends, tu rigoles toi? Hop, l'outil. Putain, j'ai entendu des gémissements bizarres là, l'outil est en train de. Ah. Madame, bonjour. Voilà. Les frères jumeaux. Oh, les gens, comment ils regardent quoi. C'est un truc de ouf quoi. Comme en vrai en fait. Hein. Ils sont tellement curieux et connards les gens, c'est ouf. Allez, on est reparti. Hop, ok. Allez, c'est parti. Donc, on va tourner. Il va me couper la route, je m'en doutais. C'était pas une priorité pourtant. Je pensais que c'était une priorité. Que c'était pas une priorité. Donc là, on va tourner. Donc ça, c'est une toute nouvelle ligne, hein, du coup. Et elle est cool en tout cas. Elle est cool. Elle est bien, bien cool. Je vois rien dans les rétros.
je tourne un petit peu au casse-pipe. Allez, on y retourne. Ok. Donc là, il y a un autre arrêt ici. Et comme par hasard, il y a un mec devant avec son bahut et je vais pas pouvoir me mettre à quai correctement. Voilà. Hop là. J'aimerais bien savoir où est le frein d'arrêt en fait. Je sais pas s'il est là-dessus. C'est ça un frein d'arrêt, non? Ah non! Ah ouais! Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Éteindre le moniteur de. Mince. Ah, j'ai pas fait. Je suis concentré sur un truc là. Ah. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ticket à l'unité. Donc, à mon avis, il va falloir 20 centimes. Donc, je vous donne 20 centimes. À l'unité ABC. Donc, imprimé. Voilà, je récupère tes 4 euros. Prends tes 20 centimes. Au revoir. C'est bon, il n'y a personne. Oh, regardez, vous avez même les mégots de clope et tout. Regardez. Et, franchement, c'est bien détaillé. Hein. C'est vachement bien détaillé, c'est ouf. Bon, bref. Hop, tac. On va tout fermer. Parce que là, je crois que on n'est pas à l'heure. Il dit éteindre. Oh, il y a du monde derrière. Le bus, il est blindé. Ah, attendez. On peut l'éteindre? Ça, c'est. Je regarde quand même si on peut. Parce qu'en fait, on peut changer de. Là, c'est carrément les 4. Et là, si j'éteins. Ah, yes! Ok, je l'éteins. Donc, peut-être que ça ira mieux. Je vais regarder. Ok, bah nous, on est parti pour le coup. On est comment là? Prochain. Il est midi 6. Donc ah, ouais, quand même. Ah non, départ à 4. Et il est 6. Enfin, il est 7. Bon, j'ai 3 minutes de retard. Ça va. Ah, il me. Un camion toupie, regardez, avec la toupie qui tourne. Par contre, généralement, la toupie, elle tourne pas comme ça quand tu. Elle tourne comme ça quand tu décharges le béton, mais pas quand tu. Ah, peut-être qu'il a arrêté, je sais pas, non? Il a arrêté le mec. Ah, il roule, hein. Normalement, elle tourne pas comme ça, la toupie, quand tu roules. Elle roule tout doucement. Elle tourne tout doucement. Bon, bref, alors, du coup, ok, bon, on est reparti pour le coup. Bah, c'est reparti. Ça a l'air d'être un petit peu mieux quand même, depuis que j'ai éteint les moniteurs. Alors. Attends, on entend que ça, les sonneries de téléphone, les SMS, machin. Mais c'est vivant, c'est cool. Donc lui, il a demandé à l'armée. L'armée, l'arrêt. L'armée. Oui, il a demandé à l'armée, ouais. Ok. Alors, on va s'arrêter. Voilà. Ah merde, c'était là le. J'ai pas vu le. Je vais voir si je peux pas m'engager. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Non, il y a personne. Je peux m'engager direct comme ça. Hop, voilà, puis je vais attendre. Ok. Ah franchement, et puis avec un track IR, ce jeu il doit être pas mal en fait. Même, même en VR, ça doit être assez sympa. Ça doit être assez sympa. Oh, c'est bien, c'est vivant et tout. J'adore. Personne sur les terrasses. C'est bizarre ça. La tête qu'il a lui. Il y en a, ils ont des têtes cheloues. Allez, qu'est-ce que t'attends toi avec ton BM? Allez, hop. Donc nous, ça me stresse la caméra là. Je peux pas la régler, ça me gonfle. Je suis vachement prêt en fait. Ah voilà. Ok. Donc tac. Je crois qu'il y a quelqu'un qui. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui. Ah putain les téléphones. Et l'autre il monte avec son téléphone quoi. L'autre il paye avec son téléphone quoi. 880 AB, donc lui je crois qu'il a ticket 24 heures. Ok, donc lui 880, donc il m'a donné tout le bordel là. Merci. Ok, très bien. Ok, on peut y aller pour le coup. Allez, on y va. On se tape encore le rouge. C'est quoi ça? Putain, mais. Merde! T'as même une pelleteuse quoi, s'il te plaît, qui roule quoi. T'as énorme. Ah oui, ils ont rajouté des AI. Putain, trop stylé. Oh, regarde ça. Ah ouais, putain, la classe hein. J'adore quand même les textures, ça me fait délirer quand même. Ah ça y est, c'est fonctionnel ça. D'accord. C'est fonctionnel. Avant ça marchait pas. Allez, c'est parti. Donc on va laisser passer la pelleteuse. J'espère que l'autre à côté il va pas me. Non, c'est bon. Je pensais qu'il allait me rentrer dedans. Mais là, en fait, on est en plein dans les bouchons, quoi. C'est un truc de fou. C'est là qu'en fait, vous vous rendez compte que le métier de chauffeur de bus urbain, c'est très stressant. Parce que quand t'es dans les bouchons comme ça, c'est chaud. Surtout avec un blaireau pareil qui avance pas. En plus, hop, ça se met au rouge, donc t'es obligé d'attendre. Bah, c'est un métier qui est très stressant au final. Hein.
Ah, je vois rien par contre. Je vois absolument rien. Je vais essayer de m'avancer un chouïa. Est-ce que je peux m'avancer pour voir le feu? On avance encore un peu. Hop! Voilà. C'est un métier qui est très stressant, hein, parce que bon, là, en l'occurrence, on doit arriver à 12, donc ça devrait faire l'affaire. C'est-à-dire que, en fait, les horaires sont en fonction de la circulation, donc ça, c'est cool. Mais parfois, non. Pas toujours. Du coup, t'es obligé de bombarder, et des fois, tu prends des risques, quand même, pour arriver à l'heure, quoi. Après, on roule pas comme des oeufs non plus, mais bon. Parfois, des fois, t'es obligé, hein, malheureusement. Donc voilà, ok. Je regarde un peu dans les alentours, c'est sympa. Il y a encore du monde, hein. Regardez. Les gens ils discutent et tout. Eh, c'est juste. C'est ouf quoi, quand même. C'est plus, en fait, le jeu, plus il avance, et plus il est réaliste de fou. Ok, alors on y va, du coup c'est parti. Ils m'énervent avec leur téléphone, putain. Donc. Prochain arrêt, j'espère qu'il est pas très très loin, parce que sinon, on va prendre les bouches d'égout à fond mal. Hein. Hop là. Il arrive à fond avec son Golf GTI, lui. Allez, vas-y, on y va. Ah oui, il est encore devant, l'autre, avec sa pelleteuse, là, purée. Ah putain, et ça c'est le genre de truc qui va nous foutre à la bourre. Puis l'arrêt il est pas tout de suite en plus hein. Puis il est déjà 11, c'est à dire dans une minute je dois arriver là-haut. Qu'est-ce qui se passe encore? Putain c'est un truc de fou quand même. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Tu vas où toi? Vas-y dépêche-toi, engage-toi. Voilà. Ah ouais ok. Ok bon là il y a personne, on est d'accord. Putain je suis obligé d'utiliser la souris en fait pour... Elle est pas mal cette ligne hein. Elle est pas mal. Alors je sais pas quand est-ce qu'on aura l'AI, en fait les autres bus AI, qu'on verra arriver en face, etc. Ça va être énorme ça. Ça va être énorme. Et je pense que les modeurs, à mon avis, vont s'amuser sur ce type de jeu parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, ça avance pas, hein. C'est long, hein, parce que l'autre, depuis qu'il est passé devant, et puis en centre-ville, ça va être compliqué de doubler. Ça va être très 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 compliqué. Ok, bon, je vais mettre le frein de parc, de toute façon. Et les téléphones qui sonnent, etc, etc, enfin voilà. Oui, alors le frein d'arrêt, je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est là-dessus. Il va y avoir un frein d'arrêt quelque part. Mais je ne le trouve pas, le frein d'arrêt. Vous voulez du chauffage? Je vous mets du chauffage? Ah mince, ça avance. Je sais même pas combien il fait dehors. Il fait 21 degrés, donc ils ont pas besoin de chauffage. Par contre, ah mais j'ai activé la clim et tout, je crois. Ouais, je crois. Ah purée, voilà les feux, et ça les feux c'est pareil, c'est une saloperie, ça j'en peux plus. Enfin, je vais en profiter pour regarder, alors ouvrir la trappe à l'arrière, donc je vais ouvrir. Ça c'est quoi ça? Fermer la trappe, non, je vais laisser ouvert. Non disponible dans ce mode, ah c'est dommage. Ok, bon. Ça je sais pas ce que c'est. Ah oui c'est pour au cas où tu te fais braquer, tout ça machin, je pense que ça doit être ça. C'est pour appeler... le poste de contrôle. Le poste central. Donc, du coup, allez, on y va. Là, on commence à être à la bourre, hein, mine de rien, parce qu'il est 13. Je suis putain, comme par hasard, je vais encore être derrière l'autre, là. Ah ouais. Hop, je vais encore être derrière lui. C'est pénible parce que je peux pas le doubler. Et il commence à devenir pénible. Donc je vais essayer de le doubler parce que là c'est juste pas possible de traîner le fion derrière lui. Tu m'excuseras Jean-Louis mais là franchement alors j'espère qu'il fallait... Non il n'y a pas d'arrêt là. Alors, je vais attendre. Alors j'espère qu'il tourne. Ah bah non bah du coup ok. Bon. Hop, je vais me mettre comme ça. Voilà, tant pis. Ok. Donc non parce que il va nous retarder à mort lui. Et puis là comment il s'est mis hein. Ah, il tourne, ok, bon, moi, c'est bon. Je pensais qu'il allait aller tout droit, et ça aurait été le bordel. Parce que là, faut que je rattrape mon retard. Là, il est 14, et je dois arriver à 12, hein, normalement. Ok, c'est chiant, les feux, hein. C'est chiant d'attendre. Chiant. T'es concentré, toi, dis donc. Ah, putain, et ça tousse et tout, putain. Bon, c'est quand tu veux.
C'est quoi cette pub? Ah, c'est... Ah merde, j'avais pas vu que c'était... Bon, allez hop, c'est parti. Du coup, on y va. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, hop là. Voilà, c'est mieux. Allez, cette fois, je perds pas de temps. Je suis à 60 pour rattraper mon retard. Bon, c'est pas très pro, hein, je vous le dis. Mais bon. Je suis obligé parce que là, clairement, c'est... Ça devient long, cette histoire. Alors, du coup, ok. On arrive encore à un feu. Ça devient pénible, les feux. C'est chiant. Voilà. Hop. Hop. Putain, il y a du monde dans le deal, là. Ah, c'est toutes les mêmes. Allez, hop, c'est reparti. Donc j'espère qu'il est pas trop loin l'arrêt parce que là je commence vraiment à prendre du retard quoi. Il est 16. À cause des feux, de la circulation. Ça commence à être ric-rac là cette histoire. Ah et puis ces bouches d'égout là, ça te fait vibrer le volant. C'est incroyable. Et puis là faut pas trop rouler vite. Ah ouais, l'arrêt il est là. Ah la vache, comment ça se coud? L'arrêt il est là-haut, ok. Ouais, ça va être chaud. Hein. Alors là, c'est là qu'il faut tourner. Ah putain, et puis on se tape le feu. Évidemment, on se tape le feu. Voilà, je m'en doutais. On va attendre. Hein. Je crois que c'est le terminus en plus. Je suis pas sûr, mais il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme magasin ici? Oh, mais non, qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, je vois... Il y a marqué The Mystery Machine. C'est un truc de Scooby-Doo ça? Après, il y a le truc du. On dirait le Starbucks. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça. Netto. Netto. Il y a un restaurant chinois, là. Et là. C'est bien, c'est vivant, je trouve. C'est vraiment. Ah, c'est beau. Et puis le jeu est beau. Le jeu est beau. Le jeu est beau. C'est ça qui est bien. Mais bon. Il y a encore besoin de. Pourquoi il s'est rallumé, lui? Il est important. Oui, peut-être que j'y aille. Pourtant, alors que je fasse gaffe au porte-à-faux. Hop, pourtant, voilà. Bon, il y a encore besoin d'amélioration. Hein. De toute façon, le jeu n'est pas. Putain, c'est là, faut que je tourne. C'est mal foutu, par contre. Un peu beaucoup mal foutu, cette histoire. Hop. Je suis bien mis là, c'est bon. Okay. Ah, je vais essayer d'ouvrir. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Juste un chouï comme ça. Voilà, histoire d'entendre l'environnement et tout. J'aime bien. C'est pas... Ouais, il a des étriers jaunes, lui. Putain, il a modifié son Vito. Il attend quoi, en fait, là, en plein milieu? Il s'est arrêté au feu, mais carrément en plein milieu. Alors là, ça va être un sacré bordel si lui, il avance pas. Merde. Ah bah, il me laisse passer. Heureusement, tu vois, il a été intelligent. Bon, il a disparu. Ok, bon, voilà. Ah, ça y est, c'est le terminus. Ok, bon, voilà. Bah, enfin, je crois. Non, c'est pas le terminus. Ah non, je crois pas que ce soit le terminus. Pas encore, du moins. Ok, hop. Voilà. Ah non, c'est pas encore le terminus. Hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc, hop, je laisse partir tout le monde. Ah ouais, il y a du monde qui monte, là. Putain. Eh, vous allez me foutre à la bourre, hein, sérieux. C'est bon, personne prend de titre. Allez, on y va direct. On cherche même pas à comprendre parce que là. Là, on a du retard à rattraper là. Forcément, le feu est rouge. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, arrivé à midi 15. Voilà. Et il est 19. Donc, voilà le retard. Hein. Là, ça va être full flow. En plus, il y a le camion juste à côté de moi. Donc, ça va être sympathique cette histoire. Ah ouais, donc en fait, la caméra tourne. Ah oui, ok, il y a le feu pour le bus. Ok, bon bah j'y vais. Hein. En plus, ce con il se met au vert et puis après il se remet au rouge. Ok, merci. Ça, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça bouchonne là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, il est. Non, mais il est en train de pousser la voiture de devant, s'il te plaît, l'autre. Oh, le délire, toi. Bon, il va falloir que je passe sur le côté parce que. Sinon, on n'y arrivera pas. Ah, désolé, mais là, on va se prendre l'autre. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah, tu m'excuseras, mais. Voilà. Hop. Donc, des fois, il y a quand même des petits bugs hein, par-ci par-là, mais bon, rien de bien. Rien de bien méchant. En tout cas, ouais, c'est plaisant de jouer à ce jeu-là. Je trouve que c'est reposant, et puis. Et puis, les graphismes sont très beaux. Hein. Franchement, en épique, c'est juste.
C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie, ce genre de pique. Alors... T'étouffe pas derrière, t'étouffe pas. Je sais pas... Là, c'est une catastrophe. On a 5 minutes de retard. Allez, faut y aller, là. En plus, il tourne, ce compte. T'aurais pu mettre ton clignotant avant. Allez, là, faut pas traîner. Tu vas me rentrer dedans. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez vu, le mec, hein, il m'est rentré dedans. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Il a tourné, il m'est rentré dedans. Bon, bah, tant pis. Hein. En temps normal, tu t'arrêtes, hein, bien évidemment. Donc là, faut tracer. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Là, le feu est vert, j'en profite. Voilà. Moi, je suis à 70 km/h au lieu de 50. Mais là, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et puis là, ça avance pas. J'ai pas envie de me taper le feu, vous m'excuserez. Voilà. Parce que là, il est déjà 21. Voilà le retard que j'ai. Hein. Voilà, donc c'est pas très loin. Voilà. Donc eux ils tournent, moi je vais tout droit. Donc, je vais rester ici. Ils sont vachement serrés. Hein. T'as le camion là, c'est limite. Ils sont côte à côte quoi. Alors. Bon, c'est pas modélisé à l'intérieur. Hein. Heureusement, de toute façon, c'est fait exprès, je pense, hein, pour l'optimisation. Par contre, les roues et tout, dégueulasse comme ça, c'est pas mal ça. Ils ont vraiment pensé à tout. Je trouve que c'est bien. C'est pas mal. DML Studio. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Un kawa, un café là. Ok. Sympathique. Bon, c'est quand vous voulez. Merci. Allez, on y va. Je fais gaffe de pas taper le BM là. Et puis, on va récupérer nos clients. Il y a de fortes chances qu'ils gueulent. Hein. Je sais pas s'ils gueulent en fait. Non. Je sais que dans Home-C, ils serraient dès que t'avais un peu de retard. Les mecs, ils pétaient un câble. Mais là, a priori. Oh, putain, il y a du monde qui descend là. Quand ils disent pas bonjour et tout ça, c'est dommage. Enfin, tu vas me dire, en réel, c'est pareil. En réel, c'est pareil. T'as une personne sur trois qui dit bonjour. Allez. Allez, là, on tourne pour le coup. Hop. Ah putain, je me retape le feu, c'est pas possible. Ah ouais, va falloir prendre large là ici. Ah, je me suis mal. Ah, puis c'est trop tard. Oh, l'autre, hey, mais t'es sérieux, l'autre, il va m'arracher le rétro. Là, pour tourner, va falloir prendre large. Ouais. Va falloir prendre très large. Attends, les roues du vélo et tout, des vélos sont vachement bien foutus. Franchement, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, t'es gentil. Je vais faire comment? Alors, j'espère qu'il y a personne derrière. Bah, je vois que. Mais regardez comment il est, le mec. Et il a même pas 15 cm de moi. C'est une blague. Putain, tous sur leur smartphone, regardez. C'est incroyable. Ouais, ils sont tous sur les smartphones. Allez, vas-y, dégage-toi, parce que faut que je me. Ouais, tu m'excuseras, mais faut que je prenne large. Hop. Parce que là, c'est chaud les ballons. C'est bon, t'es passé. Ok, on va éviter de t'écraser. Et puis j'ai de la chance parce qu'il y avait personne devant. Donc. Merde. Putain, je me suis planté. J'ai mis le frein de parc en roulant. Donc. Ouah, c'est quoi ça? Ah, je crois qu'ils étaient rentrés dans le mur avec ça. Ok. Donc. Ok, là on va encore se taper le feu. Bah ouais, évidemment. On va se taper de feu pour pas changer. Ouais, que j'essaye avec la neige et tout, ça peut être pas mal. Prochain épisode, je pense que je ferai ça avec la neige et tout. De nuit, enfin, voilà. Ah, j'aurais dû mettre automne en fait. J'aurais pas dû mettre. En mode automne, j'aurais dû mettre. Ok, donc là, faut que j'aille toujours tout droit. Ok, on se retape encore une fois. Encore une fois, on se retape le feu pour pas changer. Arrivé à dans 372 mètres. Arrivé à midi 18. Bah ouais, il est 24 déjà, donc bon. Voilà quoi. Voilà. 6 minutes de retard. Quand même, ça fait un peu beaucoup, hein. 6 minutes de retard. Allez. On y va. Parce que là, voilà le retard qu'on a perdu dans les bouchons. Il est que midi. Ouais, en plus, il est que midi, donc ouais.
c'est l'heure de pointe, hein. Putain, il y a encore une pelleteuse sur la route, quoi. Putain, ils ont rien à foutre sur la route. Puis l'autre, elle est en bikini, s'il te plaît. Enfin, c'est une blague. Putain, tu vois un mec de chantier conduire ça. Non, non, c'est une nana tranquille, décolletée et tout. Au calme, quoi. Je croyais qu'elle était en bikini au début, mais non, c'est pas un bikini. Allez, du coup, hop. On va aller prendre nos prochains clients. Ici. On va essayer de rattraper notre temps, mais ça va être chaud les ballons. Ça va être, je parie que même que ça va être mort, hein, parce que vu les feux qu'il y a, comment ça roule, etc. Ça va être un beau bordel. Il y a personne qui monte. Ah si. Allez. Hop, tout le monde est descendu. Allez, ça dégage. On y va. On cherche pas à comprendre. On se casse. Donc là, on continue tout droit. Ok, donc on a une voie de bus. Donc déjà ça va nous arranger. Le feu est rouge comme d'habitude. Prochain arrêt à 22, il est 26, ouais. Ouais. 4 minutes de retard. Quand même. Allez. On y va. On va essayer de s'activer quand même parce que. D'être en retard. La voie de bus est particulièrement étroite. Donc on va quand même faire attention. Le feu est vert, j'ai pas envie de me le prendre en rouge, désolé. Voilà. On va essayer de. Ah, putain, et puis là faut se déporter. J'espère qu'il y a personne derrière. C'est au dernier moment, putain. Hop là. Ok. Bon. On va attendre. Je sais pas quand est-ce qu'elle se termine la ligne, mais c'est long, hein. C'est long cette histoire. Bon, ça va être une vidéo relativement longue. J'espère que vous savez pas quoi faire de votre soirée. Parce que là, ça va être long. Ça va être très long. Pas de votre soirée, de votre journée. Enfin, j'en sais rien. Si vous regardez la vidéo un dimanche ou un samedi, enfin peu importe où en semaine, au moins vous avez de quoi vous occuper. C'est pas dans l'habitude de la chaîne d'avoir des vidéos relativement longues, notamment comme celle-ci. Ah, ça me dit quelque chose cet endroit, je suis déjà passé par là. Ça me dit quelque chose. Ok, bon. Puis là le carrefour, hein. À mon avis, ça va mettre 3 plombes à se mettre au vert. C'est avec toutes les voies qu'il y a. Ça va être folklore. Mais dites-moi en commentaire, hein, ce que vous en pensez de ce petit jeu. Si vous voulez que je fasse plus de gameplay dessus, enfin, faut vraiment me le dire, hein, y a pas de souci. Je suis là, je vous écoute. Je fais gaffe, il y a des voitures quand même serrent à côté, c'est abusé quoi. Alors, là il y a deux voies, donc théoriquement, il devrait pas y avoir de soucis. Bon, de toute façon, il faut que je mette les gaz parce que de toute manière, là je suis déjà à la bourre, je dois arriver à 22, il est 28. Bon, voilà, là ça repasse sur une voie, ok, très bien. Donc là c'est parfait, je suis passé devant tout le monde. Puis, on y va. Alors, tac. Eh oui, bah oui. Mais oui, je suis à la bourre. Avec les bouchons, etc. Et c'est le foutoir monstre, c'est le foutoir. Ah, je crois qu'il va s'arrêter carrément à l'aéroport, en fait, le truc. À mon avis, c'est ça. À l'halte routière, là-haut. À mon avis, la ligne, elle va s'arrêter à l'halte routière. Oh, c'est sûr. Parce que je reconnais le chemin, là. Ça me parle. Il y a du monde, hein, sur... beaucoup de PNJ. Beaucoup de circulation. Il y a du peuple. Voilà. Je suis à 56 km/h. Je vais essayer de rattraper un peu le retard. Je dois arriver à 22. Bah ouais, il est 29. Laisse tomber, toi, t'es trop perdu. Ok. On va essayer de rouler. Puis là, il y a du monde. Hein. Mince. Hop. Allez, on ouvre. On va essayer de faire Fissa. J'espère qu'il n'y a personne qui va me demander un titre. Bah si, je m'en doutais. Donc toi, c'est l'unité... Ah non, AB. Oui, mais c'est ça. Imprimé. En plus, ça me donne 8,80. Donc c'est parfait. Allez, ciao. C'est bon. C'est bon ? Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Payé ? Prix 8,80. Ah, pardon. Tiens, la monnaie. Autant pour moi. J'avais pas vu. Je crois qu'elle m'avait donné 8,80. C'est ça. Ok, on y va, allez, on perd pas de temps, personne, parfait, allez, on y va, j'essaie de mettre correctement, ah ouais, non mais là, c'est une catastrophe, on est à la bourre de ouf, quoi, arrivée 26,
Ah mais là, je peux pas rouler à 50, c'est pas possible. Hein. M'excuserai, mais... arrivé à 26, il est 30, quoi. J'ai 4 minutes de retard. Bon, encore ça va, hein. C'est pas énorme. Si tu commences à cumuler le retard, tu cumules. Vous avez vu le carman là? Ça veut tout dire, ça. C'est qu'à mon avis, il prépare quelque chose derrière TML Studio. Très forte chance. Voilà. Donc là, on se dirige vers l'aéroport. Je sais plus si c'est un aéroport ou une halte. Enfin, c'est une halte routière, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est un aéroport ou autre. Bon, en tout cas, je pense que le terminus va être là-haut. Voilà. Hop. En tout cas, c'est chiant, hein, ces freeze. C'est assez pénible, c'est dommage. Ça bousille un peu l'immersion dans le jeu. C'est un peu dommage. Et encore une pelleteuse. Ça change pas. Allez, mets les gaz, toi, avec ton BM, là, parce que... T'es gentil, mais moi, tu vas me foutre à la bourre. J'ai 31. J'ai 5 minutes de retard. Il avance pas, lui, avec son truc, hein. Après, il respecte les limitations, hein. Enfin, non, même pas. Il est à 40 km/h, 42, 45, quoi. Tu pourrais aller un peu plus vite, quand même, Jean-Louis. Hein. Hop. Allez. On va tourner. Tac. Voilà. On tourne. Il est dégueulasse son truc à lui là. Vous avez vu quand même les effets sur les carrosseries des AI? Je trouve que c'est bien fait quand même. Hein. Bien fait. Ils ont quand même bien bossé TML Studio. Puis les textures, regardez, c'est propre. Hein. C'est magnifique quoi. Genre les mecs, ils sont chers et de ouf quoi. Ils ont géré de ouf. Ok. Bah oui, bah je crois que de toute façon, oui, c'est la Flugen machin, mes couilles, hein. Je peux le savoir. Ok, bon. On n'a plus qu'à attendre que le feu se mette au vert, s'il veut bien. Et les sons des AI sont bien foutus. On entend bien le son du diesel et tout. Hein. Attends, il va où, lui? Elle est sérieux, lui? Attends. En plus, là, je vois rien. Je suis obligé de prendre large. Hop, voilà. Faudrait que j'assigne des touches en fait sur mon volant parce qu'il y a des trucs qui sont pas assignés. Donc ouais, effectivement, là, je vais directement à l'aéroport. Ouais, c'est un aéroport, ouais, c'est ça. Ah non, désolé, mais moi je reste pas orange. Là, faut pas exagérer. En plus, ils avancent pas, les mecs. Parfois, faut pas déconner, quoi. Oui, donc moi je vais rester. Ah, c'est pour les taxis. Ok, super. Moi qui me faisais un plaisir de. Il me faisait un plaisir de doubler tout ça, mais non, je me tape le taxi qui roule à 30 km/h devant. Voilà. J'ai quasiment 8 minutes de retard. C'est bien. Voilà, merci monsieur le taxi. J'espère que c'est par là. Oui, c'est ça. Ok, donc là je fais tout le tour. Ok. Et du coup, bah, je vais desservir là-haut directement. Je crois que c'est mon terminus. Hein. Puis lui, il avance pas. Bon, c'est limité à 30, hein, mais bon. De toute façon, ça sert à rien de speeder, parce que je crois que le terminus est là. Donc, pour le coup, je vois pas l'intérêt de mettre les gaz. Donc, les gens vont sûrement brailler. S'il y en a un qui avait un avion à prendre, à mon avis, bah, il l'a dans le cul, Lulu. Je pense. Alors, on va se mettre à quai. Et puis, voilà. Et puis, on arrivera au terminus, je pense. Hein. Oui, aussi, c'est le terminus. De toute façon, tu peux pas aller. Après, c'est... Tu fasses le tour. Hop, on se met à quai. Voilà, donc effectivement, on était bien sur le terminus, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il n'y a personne qui monte ici. Hein. Voilà, tout le monde descend. Ok, pas de soucis. Nouvelle route, next route, machin. Ok, je vais mettre route achevée. Ok. Non, mais montez pas, parce que moi, je repars pas. Je veux juste... Non, mais qu'est-ce que tu me fais, Jean-Louis? AB. Option incorrecte. À l'unité, oui. 3 euros, tu me donnes. Bah, c'est bien. Prends, voilà. Allez, prends ton ticket. Putain, et puis elle va me faire chier aussi. Tiens, hop, voilà. Merci, au revoir. Voilà. Je veux juste savoir comment on fait pour. Attends. Je vais tout éteindre. J'aimerais bien sortir, en fait. Je sais plus comment on fait pour sortir. Mettez la boîte de vitesse au neutre. Ah oui, il faut freiner, c'est vrai.
J'aimerais bien sortir en fait. Comment on fait pour sortir? Je sais pas comment on fait pour sortir. Voilà. Bon, bref, il va falloir que je trouverai comment on fait pour sortir. Donc voilà, on va se mettre en vue extérieure. Voilà. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez que j'en fasse plus de lignes, etc. Enfin, qu'on fasse plus de gameplay sur ce jeu. N'hésitez pas. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous mettrai le lien en description du jeu, si toutefois le jeu vous intéresse. Bon, c'est une version encore en bêta, il est en développement. Mais il s'améliore de plus en plus. Et c'est plus appréciable en tout cas. Voilà, avec les nouveaux effets sonores, entendre les gens derrière discuter, tousser, les téléphones qui sonnent, ça donne un peu plus de stress et tout, etc. Les nouvelles lignes qui arrivent, enfin franchement c'est cool. J'aime beaucoup ce jeu, donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de le télécharger, je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Donc voilà, profitez-en, parce qu'à mon avis, quand il passera en officiel, donc version définitive, il sera un peu plus cher. Voilà, j'espère que ce petit gameplay commenté vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous!